Hello les amis, bienvenue sur Flip Simulator. Je pense que vous avez compris, on va continuer à visiter les villes, les villages, tout ça, hein, comme d'habitude. Tout simplement, on va surtout faire une destination. Voilà, une destination sur Paris. Je pense que vous avez vu au niveau du titre dans le chat. Dans le chat de Twitch en ce moment, hein, bien sûr, dans le chat. On va aller à Paris, mais on va commencer par Lille, justement. On va aller de Lille jusqu'à Paris. Et du coup, ben voilà les amis, on va le faire ensemble. Alors bien sûr, je pense que pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, tout ça, sur YouTube, tout ça, vous savez que j'ai fait plein de vidéos, tout ça, sur Flige. Et là, pour la première fois, au lieu de vraiment visiter chaque lieu, tout ça, là, pour la première fois, on va surtout faire une destination. Voilà. De Lille jusqu'à Paris. Alors, là, on va changer, parce que là, vous savez qu'en ce moment, bon, là, je diffuse, il est 19h24, il fait soir en ce moment. Et du coup, bah, là, il fait noir en France, comme vous pouvez le voir. En ce moment, il fait noir en France. Du coup, parce que vous savez que Flige, c'était un jeu en direct. La météo, tout ça, c'est en direct. Et du coup, ben voilà, tout simplement, on va laisser comme ça, je pense. Enfin, on va laisser. Non, on va pas laisser comme ça. On va changer comme ça, voilà. On va juste garder le temps réel, voilà. La météo réelle. Voilà. Pour mieux voir, hein, bien sûr. On va juste changer ça, tout simplement. Et du coup, il faut trouver l'île. L'île, voilà, c'est ici. Voilà, le départ. Voilà, le départ. Et ta-ta-ta. Paris, c'est ici, voilà, hein, c'est pas très loin. Enfin, pas très loin, ça va, c'est pas très loin de l'île en tout cas. Voilà, bien sûr, hein, pour l'instant, c'est juste une petite route qu'on va faire, hein, les amis. Une expérience ensemble. Et plus tard, je vais vous proposer bien plus, avec peut-être plus de destinations, tout ça, plus tard. Du coup, voilà, les amis. Alors, définir comme arriver. Bon, voilà. Et là, vous pouvez le voir, qui est marqué 1h45. Ah, attention, avec l'avion, juste ici. Voilà, avec l'avion, voilà, tout simplement. Mais si je change, ça change la dose. Vous allez voir que, par exemple, si je prends... celui-là par exemple, le plus puissant, le Boeing, qui fait plus de 917 km, hein, bien sûr vous pouvez le voir. Et ben regardez, tout simplement, au lieu d'une heure, on a 26 minutes à peu près. Voilà, 26 minutes. Ça dépend de la vitesse, bien sûr, hein, si on fait du 204 km avec l'avion. Voilà, 26 minutes. Voilà, tout simplement. Mais nous, on va pas prendre un avion comme ça. On va jouer un peu le jeu. On est là aussi pour visiter, bien sûr. Hein. Voilà. Et du coup, on va prendre ce petit avion qui fait quand même 317 km. Hein. C'est pas mal. Au lieu de, je ne sais plus combien, 917. Bon là, ça va beaucoup moins vite. Mais vous savez qu'on est là aussi pour visiter. Voilà. Pas aussi non plus trop prendre trop de la vitesse. Hein, voilà. Aussi en même temps. Du coup, voilà, hop, on va prendre ça. Et du coup, ça nous marque 42 minutes. Voilà, 42 minutes si on fait du 204 km, les amis. Du coup, eh ben, on va voir, on va essayer tout ça. J'espère qu'on va y arriver jusque là-bas. Enfin, je l'espère, je croise les doigts. Après, ça dépend de l'avion. Il fait du combien, lui? Du 300. Ok, sur 204. Je pense que ça peut aller. Ok. Donc, les amis, bah, je pense que c'est bon. On va faire ça super simple, hein, bien sûr. Voilà. Je pense que c'est bon. On est prêt. Et du coup, on lance tout ça. Du coup, voilà. Alors, bien sûr, les amis, hein, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voulez voir aussi d'autres pays, tout ça, dans les prochains lives, tout ça. N'hésitez pas, surtout. Ça me permet d'améliorer l'expérience aussi sur YouTube, hein, bien sûr, enfin sur ma chaîne YouTube, tout ça, mais aussi pour les prochains lives sur Flige, hein, bien sûr. Ça donne des idées, tout ça, bien sûr.
N'hésitez pas à me dire quel pays tout sort, ce que vous voulez voir, bien sûr. Et du coup, bah voilà quoi. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour les nouveaux et les nouvelles, hein. Mettez un j'aime aussi, hein, bien sûr. Vous connaissez un peu le principe, bah, des réseaux sociaux, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, du coup, les amis, alors on va faire demi-tour. Vous pouvez le voir sur la petite flèche qui marquait 203 km. Voilà, là nous sommes à Lille, hein, bien sûr. Nous sommes à Lille, hein, pour ceux qui connaissent bien Lille, tout ça, voilà. L'Esquin, l'Homme, tatati tatata, Armentières, Wattignies, bref, l'Os, voilà. Et du coup, bah voilà, on va se diriger tranquillement. Hop. Voilà. C'est tout droit normalement. Tranquille. Alors, je vais juste enlever ça. Voilà. Alors, par contre, je remarque qu'il y a beaucoup de vent. J'espère que ça va aller. J'espère qu'on va pas mourir tout de suite. Du coup, voilà les amis. J'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à me le dire parce que c'est important pour moi. Voilà. Est-ce que vous voulez voir d'autres? Voilà, ou d'autres améliorations, voilà quoi, il n'y a pas de souci, hein, n'hésitez pas. Et bien sûr, hein, on visite tranquillement, hein, voilà. Tranquille. Pour ceux qui connaissent bien Lille, voilà, Émerin, Seclin. Bien sûr. Tranquillou les amis, tranquillou. Alors vous pouvez le voir juste en haut, hein, bien sûr. Hein, je pense que vous avez compris tout de suite. Il nous reste 199 km pour aller jusqu'à Paris. Et j'espère qu'on va réussir jusqu'au bout. Allez. Je pense que oui. On peut y arriver. Je l'espère. Alors là, pour l'instant, je fais du 100. Ouais. 117, 120 km heure. Voilà. Bon. Normalement, il faut faire 204. Pour arriver dans les temps, en fait. Voilà, tout simplement, dans les temps. Voilà, là, on s'en va. On s'en va de Lille. Alors bien sûr, hein, on trace jusque là-bas, on visite tranquillement, on regarde bien les pays, tout ça, je vous fais bien voir tout ça, tranquillou, comme d'habitude. La première personne aussi, hein, bien sûr. Voilà. Tranquillou les amis, tranquillou, 194. Ça peut se faire. Alors là, on est ouais, vers Libercourt, voilà. Je sais pas si je le prononce bien. Thumery. Après là, on va dire que c'est des petits villages, hein, les amis. C'est des petits villages, on connaît pas vraiment. Bon, peut-être pour vous aussi, hein, pour ceux qui habitent à Lille, à tout près, hein, bien sûr. Pas exactement Lille, mais tout près peut-être, hein, bien sûr. Peut-être vous connaissez.
Ok, là on s'approche de Ostricourt. Ostricourt. Ok. Tranquillou. Hop. Alors, désolé les amis. J'avais un petit bug, mais c'est rien, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Alors là, nous sommes tout près de Courcelles, les lances. Bien sûr, hein, comme je dis à chaque fois. Si je le prononce bien. Bon, voilà. Je pense que c'est ça. Ok. Alors, vous inquiétez pas, on descend un tout petit peu. Bon, pas trop bas non plus, parce que là, je pense que ça va sonner. Voilà, ça va sonner un tout petit peu. Ça veut dire que je suis un fou quand ça sonne. Nous sommes à 180 encore, les amis. On est encore loin. On est encore loin, je vous avoue. On est encore loin de Paris. Bon, là, bien sûr, on vient tout juste de quitter l'île, hein, bien sûr. On visite, on visite. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a que des champs. Il n'y a pas beaucoup de choses. Quasiment. Sauf là. Alors, je ne sais pas si je pourrais le voir, les amis. Je cherche l'autoroute en même temps. Ça doit être plus par là, je pense, l'autoroute. Là, bien sûr, on quitte pas notre destination, hein. Bien sûr. Je pense que c'est ici, les amis, l'autoroute. Je pense que oui, parce que je pense que je vois des voitures. J'ai pas envie de dire de bêtises. Oula. Oui, c'est parce que oui, je descends trop bas. C'est pour ça que ça sonne. Fresnes, les Montauban. Je pense que c'est ça. Voilà, les amis, je crois que c'est l'autoroute. C'est bien ça. Ah, je pense même qu'il y a le truc de péage. Je pense, hein. Je pense que c'est ça. On va essayer de s'approcher. Alors, ça risque de sonner en même temps. Je vous préviens. Ah, je pense que oui, les amis. Attends. Ouais, c'est quoi de ça? Bah, je pense que oui, c'est le péage parce que. On dirait que c'est une maison, le truc. Il y a une maison devant la route. Devant l'autoroute. What the fuck? Bon, des fois c'est un peu mal fait, hein, les textures. Mais je pense que c'était le péage, les amis. Voilà, tranquille. On voit tout. Voilà, tout en détail. C'est parfait. Ça, c'est cool, ça.
Vous me direz dans les commentaires, hein, bien sûr, si ça vous plaît. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire, hein, comme je dis souvent, n'hésitez pas à me dire quel pays, tout ça, hein, voulez-vous voir dans d'autres lives ou d'autres destinations. Je sais pas, moi, un exemple, hein, je prends un exemple. Bon, pas trop loin non plus, hein, bien sûr, pas trop loin non plus, mais genre Marseille de, je sais pas, de Lille par exemple, ou je sais pas, Marseille jusqu'en Espagne, ou je sais pas, ou de New York à Miami, je pense que c'est pas trop loin. N'hésitez pas en tout cas, les amis. Là, nous sommes à Monchy le Preux. Le Preux. Ok, le Preux. Alors, bien sûr, on essaie de suivre l'autoroute, hein, en même temps jusqu'à Paris, bien sûr. Vous pouvez voir que tellement que c'est super bien fait, il y a des voitures. Alors, bien sûr, hein, je vais bien préciser, les amis, que nous sommes à l'heure en direct, sauf le temps. Je pense, alors s'il veut bien, voilà, enlever le truc. Voilà, la météo c'est en direct, mais j'ai pas mis l'heure. Parce que en ce moment, là je diffuse, il est 19h40 en live, en ce moment même. Et vous savez qu'à cette heure-là, il commence à faire soir, tout simplement. Et malheureusement, le soir, bah, on voit pas grand-chose. Alors, je peux vous faire montrer, hein, bien sûr. Voilà. En direct, qu'est-ce que ça fait, bien sûr. Si j'arrive à le mettre. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on voit pas grand-chose. Par contre, c'est super bien fait avec les éoliennes, voilà. C'est super bien fait, on voit les lumières, tout. C'est super classe. Vu les détails, franchement, c'est super propre. Mais alors, par contre, pour le live, on voit pas grand-chose, hein. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis le temps en direct, les amis. Enfin, l'heure plutôt. L'heure. Voilà, l'heure. Voilà. Bien sûr, hein, je peux vous proposer, bien sûr, hein, pour changer de temps en temps jusqu'à la destination de Paris, hein, bien sûr. Je peux quand même, je suppose, voilà, je pense, changer le temps ou pas. Je n'en sais rien, voyons voir. Voilà, il faut juste changer ça. Voilà, faut plus le mettre en direct. Voilà, ciel, on va mettre, allez, on va mettre quelques nuages pour voir. Non, mais non, je m'en fous de ça. Voilà, j'ai pas envie de mettre en direct. Non, mais ah, oh, voilà. Voilà, là j'ai mis quelques nuages, les amis. Pour que vous voyez un tout petit peu, hein, comment c'est vraiment. Voilà. Allez les amis, on se rapproche de Paris tranquillement. Par contre là, on s'est un peu éloigné de l'autoroute. Allez, hop. Voilà. Alors là, nous sommes à Mory. C'est un petit village, ça. Bon, je vous avoue, on voit pas bien avec la première personne. On voit pas grand-chose. Voilà. Alors, je ne sais pas si je peux changer. Alors, je suppose que oui. Mais normalement, je peux changer ma cam. Si je mets comme ça, par exemple. Ça fait quoi? Ça fait comme ça. Ok. Voyons voir. Alors, je connais pas tous les paramètres, hein, bien sûr. Et okay, là, nous sommes en première personne. Enfin, genre en première personne. Voilà. Hop. Voyons voir si je mets vitrine. Ça fait comme ça, vitrine. Ok, derrière, vue de derrière, voilà, tout simplement.
Externe. Bon, on va laisser comme ça, on va laisser comme ça. On fait quelques tests en même temps, hein, bien sûr. Alors là, nous sommes à Bapaume. Voilà les amis, hein, tranquille, hein, je vous laisse admirer le paysage. Bon, j'avoue, le paysage, il n'y a que des champs. Il n'y a que des champs. Il n'y a que des champs pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de villages ou de villes. Voilà quoi. Ah, Gueudecourt. Bon, apparemment, ça serait une ville. Vu le l'icône. Enfin, une ville. On dirait bien quoi. Enfin une ville. Un petit village quoi. Ouais, un petit village. On va pas dire vraiment une ville. Un petit village, allez, un petit village. Bon, si ça serait vraiment une ville, ça serait immense, hein, je pense. Vous allez peut-être me dire, hein, voilà. Alors bien sûr, hein, j'essaie de bien vous faire montrer un peu le tour. Voilà, comment ça fait. Voilà. C'est le but de ce live pour l'instant. Voilà, bien sûr, de temps en temps, on va changer de météo. Et on va mettre. Allez, on va mettre quoi, les amis? Tiens, on va mettre un peu de pluie. Pour voir. Ah ouais. Ouais, là, j'avoue, là, j'ai mis un peu trop de nuages. Mais j'ai mis un peu de tout, là. J'ai mis, voilà, trop de pluie. Ouais. Bon, j'avoue, on voit pas grand-chose. On va changer, on va changer. On va mettre quoi, les amis? Oh non, pas neige. Non, 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 pas neige. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Voilà. Avec un peu de nuages comme ça, stylé. C'est pas mal. Avec un peu de. Alors, on va changer, hein, bien sûr. Avec un peu de. Allez, hop. On va changer un peu le temps. On va mettre genre. Allez. Voilà, comme ça, c'est stylé avec un peu de soleil là, le coucher du soleil, c'est pas mal. Ouh, c'est quoi ici? Nous sommes plus près de Frise, les amis. Je sais pas si vous connaissez, peut-être ça vous dit rien. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est bien détaillé, c'est. C'est cool. Là, bien sûr, on va s'approcher, hein, bien sûr, des villages. Pour que vous voyez un tout petit peu, hein, comment c'est. Là, nous sommes à Dompierre Berquécourt. Je crois que c'est ça. Voilà.
Tranquillou les amis. Alors vous pouvez, alors je peux vous faire montrer aussi, hein, bien sûr, que par exemple, je peux tout simplement, alors si je mets ça par exemple, alors voyons voir, ça fait quoi? Si je me fais comme ça ne fait pas grand-chose. Ok, du coup, on va l'enlever, hop. Alors vous pouvez voir que je peux mettre hein, le IA pilote, voilà. C'est l'ordinateur qui pilote à ma place. Là, alors vous pouvez pas voir hein, directement, mais en ce moment, je touche pas la manette. En ce moment, c'est l'ordinateur qui pilote, voilà, à ma place. Et bien sûr, là, je touche à rien, là, bien sûr, sauf la caméra, là, comme vous pouvez le voir, je peux pas, voilà, je peux pas, genre, piloter, hein, je peux pas tourner tout ça, c'est lui qui pilote en ce moment, voilà, et du coup, bah, il me ramène jusqu'à Paris, tranquillement, voilà, voilà, alors, bien sûr, vous inquiétez pas, on va pas rester comme ça éternellement, c'est juste pour vous faire montrer, voilà. En ce moment, là, vous pouvez le voir, nous sommes à Maucourt. On arrive hein, à 2 km. Hop, bien sûr. Hop, je l'enlève. Et là, c'est moi qui pilote. Alors bien sûr, hein, les amis, je peux vous faire montrer aussi la petite carte. Non, c'est pas ici. S'il veut bien me le mettre. Ah, voilà. Voilà, parfait. Nous sommes ici, hein, les amis, hein, comme vous pouvez le voir. Et si je zoome, voilà, hop, nous sommes bah, à la moitié, voilà, nous sommes à la moitié, vous pouvez le voir, déjà à la moitié, on arrive bientôt à Paris, voilà, tranquillou. Voilà. On se rapproche tout doucement. Là, j'avoue, il n'y a pas grand-chose. Alors, comme je vous ai dit, hein, les amis, c'est un, on va dire, un petit test ensemble. C'est notre première destination qu'on fait en live en ce moment. Parce que vous savez, sur mes autres lives, pour ceux qui me suivent, vous savez qu'on a fait beaucoup, beaucoup de visites. Par exemple, Miami, Maroc, et puis plein d'autres, hein, la Chine, le Japon, on en a fait beaucoup, beaucoup, hein, on en a fait pas mal. Et je me suis dit, bah, pour changer un tout petit peu, on va faire une petite destination pour essayer ensemble. Pas trop loin non plus, hein, bien sûr, parce que sinon, si je mets par exemple, allez, c'est un exemple, hein, de Lille jusqu'à, je sais pas, moi je veux dire une bêtise, jusqu'à aux États-Unis, bah là. Le live se finit plus quoi. Voilà, comme là, vous voyez, hein, à la base, on nous a dit qu'il, enfin, en gros, qu'il fallait au moins, je dis bien au moins 40 minutes, un truc du genre par là, pour aller à Paris, un truc du genre par là, je ne sais plus exactement, mais voilà, à peu près. Et là, ça fait un petit moment, voilà, en ce moment.
pouvez voir que c'est comme si vous prenez votre voiture, je sais pas, vous habitez à Lille, vous allez jusqu'à Paris, vous mettez au moins 2 heures. Voilà, c'est un peu pareil. Sauf que là, nous sommes en avion. Voilà. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, hein, si vous voulez. Alors bien sûr, hein, n'hésitez pas à me dire quelle destination vous voulez voir, enfin vous voulez voir, qu'est-ce que vous voulez faire, je sais pas moi, genre de Marseille jusqu'à, je sais pas moi, en Espagne. Bon là c'est pas trop 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 loin non plus quoi. Mais genre pas un truc de Lille jusqu'à à l'Amérique. Parce que là, c'est plus 2 heures, 3 heures qu'on va faire, c'est... On va dire genre 10 heures, 10 heures de live de Lille jusqu'aux États-Unis quoi, tout simplement quoi. Et là clairement ça serait un peu long quoi, un peu très 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 long je pense. Du coup voilà, si vous voulez voir d'autres destinations, enfin n'hésitez pas à me dire quelle destination, une petite destination hein, bien sûr, de Belgique jusqu'à je sais pas moi, je vais dire une bêtise. L'Italie par exemple, bon je pense que bon, on va dire que c'est pas trop 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 loin non plus, enfin on va dire ça comme ça. Ça peut aller quoi. Voilà. Ah bien sûr, hein, n'hésitez pas à me dire quel pays, quelle ville, tout ça, quelle destination. Il n'y a pas de souci les amis, je vous répondrai sur YouTube, hein, bien sûr, hein, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, en ce moment, j'ai mis le lien de ma chaîne YouTube en ce moment hein, sur Twitch. Parce que nous sommes en ce moment en live, hein, bien sûr, avant de le mettre sur YouTube, hein, bien sûr. Vous savez comment je marche un peu, ceux qui ont l'habitude de me suivre. Alors, nous sommes à Mortemer. Ok, Mortemer. Alors normalement, si je me trompe pas les amis, parce que j'ai déjà fait, hein, bien sûr, j'ai déjà un peu testé tout ça, normalement, au bout de 30 km, enfin en arrivant dans les 30 km à peu près, et ben nous sera, enfin nous serons à peu près justement à Paris, à peu près. Voilà, tout simplement, nous serons vers Paris, vers dans les 30 km. Va rester. Ah bien sûr, hein, je descends un tout petit peu. Parce que là, nous sommes un peu trop haut, là, j'avoue. Et là, nous sommes à Wacamoulin. Wacamoulin, ok. Un petit village. Voilà. Sympatoche. Deux aussi, hein, bien sûr. Moyenne ville, je crois que c'est ça. Moyenne ville. Je vous laisse admirer le paysage, les amis, tranquillou. C'est pour ça que voilà, j'essaie de pas non plus, voilà, trop parler non plus, hein, bien sûr.
Tiens, c'est quoi ça? C'est pas un petit. On dirait un. C'est quoi ça? C'est une route, c'est quoi ça? Ouais, c'est ça, c'est une route, les amis. Un peu, je dirais. Quoique. C'est une route ou c'est de l'eau? Je pense que c'est une route, mais un peu mal détaillée. Alors bien sûr, hein, je vous dis les villages tout ça, les amis, mais il y en a certains, enfin, il y en a beaucoup en tout cas que je connais pas, hein, bien sûr, hein, parce que là, nous sommes dans des petits villages, hein, bien sûr, hein, abandonnés ou presque, voilà, Avrigny, voilà, je connais pas, hein, bien sûr, hein, peut-être pour, enfin pour ceux, hein, qui connaissent, hein, bien sûr, hein, n'hésitez pas, hein, voilà. À le dire hein, dans les commentaires si vous connaissez certains petits villages qu'on est en train de visiter en même temps vers Paris, voilà. Si vous connaissez par exemple Sacy-le-Grand, je crois que c'est ça, je crois que ça se prononce bien comme ça. Sacy-le-Grand, ben voilà, n'hésitez pas à me le dire si vous habitez à côté ou pas, enfin après hein, vous n'êtes pas obligé de me le dire, mais voilà. Si vous avez envie hein, bien sûr, je ne vous oblige pas non plus. En tout cas c'est grand, j'avoue, la Sacy le Grand, c'est, on va dire que c'est un village, allez. Enfin un village. Bon, allez, moitié ville et village, allez, 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 allez. Alors ça, ce n'est rien, les amis, ça va s'enlever dans quelques secondes, tranquillou. Grenouille. En tout cas, c'est super bien fait, les amis. Hein. Franchement, encore une fois, c'est super bien détaillé. Avec le canal. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais, le canal. Allez les amis, on est proche. 49 km de Paris. On se rapproche tout doucement. Alors comme je vous ai dit, à peu près vers dans les 30 km restants, on va peut-être voir Paris. Voilà, de très loin. Déjà là, on se rapproche. On y arrive. Et puis bien sûr, hein, les amis, on va aller voir la Tour Eiffel. Bien sûr, alors bien sûr, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais je me suis dit, allez, pour faire un genre de destination, on va aller jusqu'à Paris, puis on va revoir la Tour Eiffel ensemble. Voilà, c'est la base, hein, aussi, hein, la France, hein, voilà aussi, hein, en même temps. Et puis voilà, vous pouvez voir à 26 km, Charles de Gaulle, voilà, l'aéroport. Plus près de Paris, voilà, tout simplement. Nous y sommes, les amis, bientôt, on arrive à Paris. On se rapproche.
Alors bien sûr, je connais pas parfaitement Paris, parce que je viens pas de là-bas, hein, bien sûr, loin de là-bas, mais voilà, je connais un tout petit peu, hein, bien sûr, je connais un tout petit peu. Pas tout non plus, mais ça va. J'ai déjà été, il n'y a pas longtemps, justement, à Paris. Alors ici, on n'a pas de nom du village, enfin le nom du village. Il a disparu le nom du village. Ori la ville. Ori la ville. Koya la forêt, les amis. Bon, en tout cas, en même temps, hein, je vous le dis, les amis, hein, j'espère que vous kiffez, hein, ce petit live. Cette petite détente, voilà, entre nous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, en tout cas, si vous avez aimé ce petit chemin ensemble. Alors là, franchement, là c'est super grand. Là, je vous avoue, c'est super grand. Là, on peut dire que c'est une ville. Ouais, allez. Alors, comme je vous ai dit, normalement, d'ici, normalement, bon après, hein, sans dépend aussi de la hauteur, hein, bien sûr, faut savoir aussi, normalement, on devrait voir de plus près Paris. Je pense que oui, on se rapproche. Hein, Charles de Gaulle, l'aéroport de Paris, hein, bien sûr. Hein. 13 kilomètres. La citerne. Non, 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 je déconne, les amis, je déconne. Marais en France. Et c'est quoi ça? Je croyais que c'était marqué Château de Versailles. Mais non, pas du tout, les amis. Châtenay en France, si je le prononce bien. Voilà, on voit la ville de Paris, les amis. Je pense que c'est là. On se rapproche. Ah oui, on le voit, les amis. Si vous vous regardez bien. Mais franchement, si vous avez des super bons yeux, si vous avez des yeux de mouche, ou je ne sais pas, hein, des yeux de je sais pas trop quoi, de lézard, ou je n'en sais rien, bref, et ben vous pouvez voir en tout petit, là où je mets bien la caméra, hein, bien sûr, là, exactement comme ça, et ben vous pouvez voir normalement tout petit la tour Eiffel. Moi je le vois d'ici. Alors là j'avoue on voit pas bien parce qu'on est dans les nuages. On va descendre un tout petit peu, mais normalement, vous pouvez voir
et si je me trompe pas, hein, bien sûr, mais vous pouvez voir normalement la tour Eiffel en tout petit là-bas. Tout droit. Voilà. Voilà les amis, nous sommes à Paris. Voilà, nous y sommes. Voilà les amis, Paris. Ça y est. La grande ville de Paris. On voit le stade de France, juste là-bas, tout droit. Et vous pouvez voir, hein, si vous avez des super beaux yeux, la tour Eiffel qui est juste droit devant. Voilà, juste un tout petit peu sur le côté. Voilà les amis, tranquillou. On visite un peu tout ça ensemble. C'est là que vous voyez les amis que bah c'est super grand quand même Paris. C'est super grand. Voilà le Stade de France, les amis. Alors je ne sais pas si on va le voir voilà. En première personne, on va essayer de faire voilà, demi-tour sans se cracher. Hein, ça serait bien qu'on arrive jusqu'au bout du lave sans se cracher. Voilà. Voilà, les amis, on va essayer. Hein, voilà, on va essayer tranquillou. Oula. Oula. Voilà, le Stade de France, les amis. Et ça doit être les rails du train. Enfin, les rails. Voilà, les rails, je précise bien. Les rails. Il y en a 50 millions, voilà, vous pouvez le voir. Ouh, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est super bien fait. Vous pouvez voir les grues. Oula, alors par contre, ouais, vous pouvez voir que ça bug un tout petit peu. Au niveau de l'écran. Parce que c'est tellement bien détaillé, c'est pour ça, les amis. Alors, par contre, je fais gaffe aussi parce qu'il y a du vent en même temps. C'est super bien foutu quand même. Bon, ils sont un peu buggés, je vous avoue. Mais quand même. Ça va, c'est pas mal. Pas à 100%, mais ça va. Le basilic du Sacré-Cœur, les amis. Pour ceux qui connaissent, hein, bien sûr, je pense que oui. Magnifique. Et la tour Eiffel, je l'ai perdue. Il est juste là-bas, juste à côté. Voilà. Alors plus on avance, plus on arrive vraiment dans la ville, hein, voilà, vraiment. Hein. Là, il n'y a plus de champ. Le Grand Palais, les amis. Magnifique. Voilà, avec le drapeau de France.
La tour Eiffel. La fameuse. Voilà, on va essayer de... Hop. Voilà. Avec la première personne. Voilà, un tout petit peu comme ça aussi en même temps. Voilà, pour bien vous faire montrer. Voilà. Alors, je vous avoue, avec cet avion-là, c'est pas évident de se mettre en première personne. Encore avec un autre avion, ça va. Mais lui, c'est un peu délicat. Voilà les amis. Magnifique. J'espère que vous prenez plein la vue. Mais vraiment plein la vue de Paris. Voilà, avec les invalides. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il y a des petits bugs au niveau de l'écran, mais ça va. Pas dangereux. Ce n'est pas ma chaîne ou quoi que ce soit qui bug. L'arc de triomphe, les amis. Voilà. En plus, c'est magnifique avec on va dire ce coucher de soleil. Là, on le voit bien, les amis. Là, franchement, ça, c'est top. Parfait. Et du coup, on retourne voir, hein, bien sûr. Les Champs-Élysées. Ah, les Champs-Élysées, les amis. Oui, Macron. Place de la Concorde, les amis. Voilà. On se fait un petit... Voilà, marche arrière. Parfait. Il y a... Voilà, il y a aussi... le musée du Louvre. Et bien sûr, vous pouvez le voir. Voilà. Hop. Alors, on voit pas grand-chose avec l'avion, je vous avoue. Voilà. Et vous pouvez voir, voilà, comme je l'ai dit, la cathédrale Notre-Dame de Paris, les amis. Ce qui en reste. Enfin, là, il y a encore la petite tour, hein, vous pouvez le voir, il y a encore le comment dire, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais la petite tour, hein, bien sûr, avant qu'il ait été brûlé, hein, justement. Voilà, là où il y avait le feu. Notre-Dame de Paris. Petite tour. Il est encore là. Profitez. Parce qu'en ce moment, il n'est plus. Voilà.
Voilà les amis. Parfait. Je pense qu'on a fait les plus importants. Quoique, ah, là-bas on n'a pas été voir le basilic du Sacré-Cœur, il me semble. Je crois que c'est ça. Oula, attention, on va faire un... Attention. Voilà. Et bien sûr, hein, voilà, il marquait Paris. Magnifique. Je ne sais plus si on a été ici, les amis, mais je pense que si, voilà, on est déjà passé par ici. Voilà. À force, on sait plus, hein, je vous avoue. Voilà, le palais du Luxembourg. Tepanteo, voilà, le Tenpanteo. Voilà, la grande tour, les amis. En plus, vous pouvez voir que il y a une piscine, mon gars, juste au-dessus de la tour, je pense. Je pense que c'est ça. Je pense, j'ai pas rêvé, hein. Je pense que c'est ça, c'est une piscine, je crois. Hein. Je pense, j'ai pas rêvé, bordel. Quoique, on voit pas bien d'ici. Je pense que oui, ça doit être une piscine, mais après je peux pas vous dire ça comme ça. Après je peux pas, voilà. Peut-être que vous le savez. Je peux pas vous dire, je peux pas vous dire. Malheureusement. Et ben du coup les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que vous avez vraiment kiffé. Ce petit live de détente avec voilà quoi avec moi en tout cas avec ma compagnie voilà et bah, j'espère que bah voilà si vous avez kiffé n'hésitez pas à mettre un j'aime un pouce bleu tout ça à me dire ce que vous voulez voir sur d'autres pays tout ça sur Fridge avec moi en compagnie hein, bien sûr comme d'habitude. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire aussi quelle destination vous voulez faire comme route, entre guillemets, hein, bien sûr. Je sais pas, moi, de Miami à New York, ou bon, bien sûr, pas très loin, hein, bien sûr, pas trop, trop, trop loin non plus. Des petites destinations, bien sûr, hein, pas trop, 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 trop loin. Mais voilà, des destinations qu'on peut faire ensemble. Je sais pas, moi. Bon, je pense que par exemple Miami, New York, c'est pas trop loin non plus, je pense. Du coup, voilà, c'est juste un exemple, hein, bien sûr. C'est juste un exemple, hein, bien sûr. Je préfère bien préciser les choses, mais voilà. D'autres destinations, tout ça, dites-le-moi en tout cas, dites-le-moi. N'hésitez pas. Et du coup, bah, les amis, hein, je vous dis à plus tard pour d'autres lives sur Fledge et aussi, bah, bien sûr, la suite de Red Dead Redemption 2 qu'on fait ensemble en ce moment.
Du coup, voilà les amis, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!